Au bord du lac Teix-les-Bains, bien, il y a pas mal de circulation, ça va faire un peu de bruit de moteur. Le lac du Bourget. Eh ben, je vais aller me promener là-bas en face. On voit la rando, depuis à droite là-bas le col du chat. Et tout en haut à gauche, le relais du chat. Voilà toute la traversée. Quasiment par les crêtes. Et voilà la dent du chat, là où je devrais aller. Ça m'étonnerait que j'aille plus loin. Je suis fatigué d'hier. Et voilà le relais qui inonde d'ondes télévisuelles toute la ville. C'est un peu brumeux, mais il est beau ce lac. Départ du parking du col du chat. À deux pas, il y a sa célèbre Via Ferrata qui est vraiment magnifique à faire. Voilà, alors là, il y a de la place pour stationner. Allez, c'est parti. Montée et descente s'effectuent par le même chemin. C'est très agréable, on passe dans la hêtraie. Il y a beaucoup de buis. C'est la grande caractéristique de cette randonnée, il y a du buis partout. Là, ça passe entre les rochers. Le parcours est très joli. Depuis le col du chat, la montée est assez raide tout le long en fait. C'est très soutenu comme effort. Me voilà arrivé au pied du couloir nord. Voilà, je vous laisse lire les indications. Donc c'est totalement déconseillé. Si toutefois vous le faites, si vous êtes un peu casse-cou, ben, il vaut mieux avoir des cordes, des baudriers. Être bien équipé. Et un casque, parce que ça descend les cailloux. Il est froid et raide ce couloir. Il y a même encore un peu de neige par endroit. Et ben, j'en ai bavé parce qu'il y a quelques passages difficiles et glissants en plus. J'ai eu la trouille et je crois que c'est la dernière fois que je vais le faire tout seul et dans ces conditions. Allez, il n'y a plus que l'eau à passer, c'est plus facile. Voilà, vu d'ici, c'est encore plus impressionnant. Et bon, faut mettre les mains quasiment tout le long. C'est quand même, c'est de la petite escalade quand même. Voilà la sortie du couloir, c'est très facile. Alors, à la descente, ça peut donner l'impression que c'est tranquille. Eh ben non, il faut pas. Hein. Ou alors avec une corde de rappel. Et du matériel. Me voilà en haut du couloir nord. Alors de ce côté-ci, passage sud, c'est beaucoup plus facile. Il y a des échelles et des câbles tout le long. En inox et gainé. Allez, presque au sommet. Toute la rando depuis le col du chat là-bas au bout. C'est assez long quand même la crête là. Faut 2 heures pour monter tranquillement quand même. Me voilà au sommet de la dent du chat. Juste après, ben, c'est le Molard Noir. C'est un tout petit peu plus haut. Et tout au bout là-bas, ben, on voit le relais du Mont du Chat. En fait, toute la chaîne là, depuis le col du chat jusqu'au bout là-bas, s'appelle le Mont du Chat. En bas dessous, ben, on aperçoit les lacs de Chevelu.
Là, c'est le village de Chevelu. Un peu plus loin, c'est Yenne. Bon, on voit pas très bien aujourd'hui parce que tout au bout là-bas, il y a le Bugey. C'est pas net. La petite chaîne de la Chambotte là, au bord du lac. On aperçoit une grande partie du lac de Bourget d'ici. En face, évidemment, c'est Aix-les-Bains. Le Bourget du lac, avec son aérodrome. Et tout au bout, il y a Chambéry. Par là, c'est la Chartreuse. Tout au fond, Belledonne. En face de moi, le Rovard. Et toutes les Bauges derrière. Tout au bout là-bas, c'est la Tournette. Le Mont Blanc, il se cache, il est là-bas au fond. On le voit pas aujourd'hui. Super cette vue sur le lac, c'est vachement reposant. Voilà, côté sud, on descend en contournant la Dent du Chat pour se retrouver ensuite de l'autre côté. Voilà, on repasse donc derrière la Dent du Chat par un petit sentier. Bon, là il y a encore un peu de neige un peu glacée, il faudra faire attention. Mais bon, il y a des câbles un peu partout. Hein. C'est pas très compliqué. Très sympa le passage, un peu via ferrata en facile. La descente est très rapide, je suis presque en bas déjà. Faut juste faire attention, il y a beaucoup de feuilles, il faut pas glisser et pas se tordre une patte. Si on a le temps, on peut aller faire un petit tour du côté de la via ferrata. C'est assez spectaculaire et c'est très sympa. Allez, dernière portion dans les buis. Super. Il y a des grosses planches. Thank you.
là, il a l'air de foutre, c'est pas une cuisse.